Hey, tu vises le bronze, on vise que l'or ou l'argent comme le bronze. On fait les choses à fond comme ma sœur et son logo sur le front. Pas besoin de prouver quoi que ce soit, regarde le CV, on est bon. J'ai des platines qui peuvent faire office de briques pour une maison, c'est vrai. Je suis de ceux qui parlent fond, Dieu m'a donné le don de donner, je pourrais pas mendier pour un rond. Pas besoin d'une armoire à glace quand dans les tiroirs y'a les fonds. Si la distance nous sépare, y'a que dans mes sons qu'elle voit les ponts. Tu sais déjà qui je suis quand je donne l'heure, ta femme me watch. Hey, 2021, je vois que le rap remplace le catch. Y'a plus trop de rimes, tant que le snap et Instagram sont propres. Je suis trop bruxellois, je réponds avec Psaha quand tu choques. Yeah, je viens du 1-0 et 3-0 et si tu... Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Je voulais commencer ce vlog par vous montrer ce que j'avais acheté à Lille suite à ma petite sortie, etc. Normalement vous avez vu tous les plans que j'ai filmés. C'était trop cool, j'y suis allée avec Emma et Célia et on a fait plein de choses. On a littéralement passé 6 heures sur Lille à marcher et à aller manger dans des cafés, à faire du shopping et tout. Et c'était vraiment trop trop cool, j'ai adoré. On a trop rigolé, enfin c'était trop bien. Je vais commencer par les vêtements, il n'y en a pas beaucoup. J'ai acheté ce top trop trop beau que je trouve incroyable chez Stradivarius. Mais comme une débile, j'ai pris en XS au lieu de M. Donc je vais aller l'échanger, j'ai gardé le ticket. Mais je suis trop deg parce qu'il est trop trop beau, donc j'ai trop hâte d'aller échanger pour pouvoir le mettre. J'ai aussi acheté un pantalon noir que je porte actuellement. C'est hyper confortable, il coûte pas si cher que ça, 23 euros. Je trouve que c'est pas encore hyper excessif pour un pantalon en lin. Et en dernier, j'ai acheté ce pantalon incroyable de chez Subdued. Je sais pas quelle matière c'est, mais en tout cas c'est une matière très très légère pour l'été, c'est incroyable. Bon là à Lille il fait vraiment genre 18 degrés et il pleut de ouf, et là il va pleuvoir encore je pense pendant 2 semaines au moins. Par contre il est très 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 cher. De toute façon ce magasin c'est hors de prix vraiment. Je l'ai acheté parce que j'ai eu un coup de cœur, que je le trouvais trop beau, que je l'avais essayé et il m'allait parfaitement. Mais franchement je n'achèterai jamais tous mes vêtements là-bas. Il y avait le haut aussi, mais je me suis dit que enfin ça allait être beaucoup trop cher pour ce que c'était, et du coup j'ai préféré ne prendre que le pantalon parce qu'il m'en fallait un. Je suis trop heureuse. Ça change un petit peu d'habitude, je mets pas souvent du bleu ou en tout cas des couleurs. C'est tout pour les vêtements, je vais vous montrer les objets accessoires que j'ai acheté. C'est trop mignon. Donc il y a principalement du Sostren Grain, et après j'ai acheté quelques petits trucs chez Emma. J'ai acheté cette petite pelote bleue, donc elle est très très fine, mais c'est pour la doubler avec une autre laine. Et pour faire des petites trousses comme celle-ci, celle-là elle est pas terminée parce que je dois encore mettre la doublure et la fermeture. Mais je la trouve incroyable, elle est trop mimi, c'est ma première trousse donc je suis trop contente de l'avoir fait. Sinon Emma elle en fait plein et elles sont trop belles. Ça c'était la première trousse qu'elle m'avait faite, elle est blanche, elle a mis la petite fermeture et voilà. Trop chou. Justement j'ai fait les deux parties d'une énorme trousse grise que je voulais me faire. Le problème c'est que j'ai plus de fil, donc je dois aller en racheter chez Action, parce que cette pelote vient de chez Action, mais elle va être incroyable cette trousse-ci. Je dois aussi m'acheter par la suite une aiguille pour pouvoir coudre les deux parties ensemble. Je vous montrerai le résultat final, en tout cas j'ai trop trop hâte. Si ça vous intéresse de savoir faire ce point, je vous mets la vidéo en barre d'infos. La fille explique pas hyper bien, mais en vrai c'est compréhensible. J'ai acheté ça, c'est des petites étiquettes. Je trouvais ça trop chou, donc je l'ai pris parce que c'est vrai que rien du tout en fait, je n'ai aucune excuse, j'ai juste acheté ça parce que c'était mignon, ça coûtait pas si cher que ça, ça va. J'ai ensuite acheté ce petit carnet trop mignon avec un petit cœur, je l'ai adoré. L'intérieur c'est des petits points, mais je me dis que j'aimerais bien réécrire un petit peu, parce qu'avant j'écrivais beaucoup, quand ça allait, quand ça allait pas, enfin j'écrivais toute ma vie, tous les jours. C'est vrai que ça me permettait d'exprimer un petit peu mes émotions et d'aller un peu mieux. Donc j'ai acheté ce petit carnet pour m'y remettre, ou en tout cas pour écrire des trucs dedans, tout simplement. J'ai acheté aussi cette trousse pour l'année prochaine, parce que j'avais plus de trousse, ou en tout cas elle était complètement nulle, et je sais que je vais utiliser pas mal mon ordi, mais j'adore quand même avoir des carnets ou des stylos, etc. et écrire sur papier. J'adore, elle est trop belle. C'est grave les couleurs que je kiffe. Ensuite, chez Sostren Grain, j'ai acheté ce carnet-là. Je le trouve incroyable. J'aime particulièrement le fait que les spirales soient dorées et aussi le fait que ce soit des lignes. Je vais pouvoir l'utiliser l'année prochaine. J'ai aussi acheté un petit spray où j'ai mis mon eau de romarin pour mes cheveux. J'en avais acheté un de chez Action mais il s'est cassé, donc j'ai acheté celui-là. Et voilà, ça fait l'affaire, c'est cool. Et pour terminer, chez Sostren Grain, j'ai acheté 2 chouchous. Il y en avait plein quand j'y suis allée, il y avait plein d'accessoires pour les cheveux. Je compte pas les mettre tout de suite parce que je trouve que mes cheveux ils sont pas encore assez longs, mais quand ils seront vraiment longs et qu'ils seront bouclés, j'ai trop hâte de porter ces petits élastiques, donc voilà. Pour terminer, j'ai acheté ce carnet-ci
chez Emma. J'aimais trop aussi les spirales dorées et les petits motifs et le fait aussi que ce soit avec des intercalaires. Pour finir, j'ai fait des petites photos avec Célia au photomaton. D'ailleurs, on a galéré pendant tellement longtemps. Déjà, la machine, elle voulait pas coopérer avec nous. Et bien évidemment, il a fallu qu'à cette photo-là, je ferme les yeux. Donc, on a dû tout refaire. Bref, sur ce, voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Actuellement, on est lundi 31 juillet. J'ai reçu un petit colis avec deux tops et deux jeans. J'avais trop hâte de le recevoir parce que je voulais vraiment essayer ce que j'avais acheté. Il me manquait quelques jeans et ceux-là, j'ai flashé dessus parce que c'était des nouveautés. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai reçu. Je vais pas faire un unboxing, je vais juste vous montrer porter. En tout cas, je compte vous filmer un petit peu ma semaine, sachant que je travaille seulement mercredi soir. Donc j'ai vraiment toute ma semaine devant moi et la semaine prochaine aussi. Je vais tellement m'ennuyer en fait. Sur ce, je vais aller unboxer mon colis et je vous montre les vêtements portés. S'ils me vont évidemment, parce que s'ils ne me vont pas, je les renvoie tout simplement. Voilà, let's go. Aznavour, quand j'écris à la bourse, je mets les quiches à la bourse. La femelle elle me kiffe mais ne kiffe pas l'amour. La femelle elle me kiffe mais ne kiffe pas l'amour. Des bitches de Bougarest sous l'arrêt, tous barrettes, reste pas le boss final, j'arrive et tout s'arrête. J'trouve ta veste, coupe ta tête, tous la fête ou la bête. Tous la fête ou la bête. Plus rien dans leur poche, ils comprennent le malus. Plus rien dans leur poche, ils comprennent le malus. La malice, j'écris dans la fontaine de la muse. Ton corps en tableau mérite d'être dans le muse. J'ai le fantasme, j'fais un mix comme d'hab. J'prends des pics comme d'hab. Pour la mif comme d'hab. Pour la mif. La ligne comme d'hab, elle me fixe comme d'hab.